Toutes et à tous, désolé, il y a un petit bug au niveau d'OBS qui a planté malencontreusement. Bon, c'est pas grave, le match a pu être du coup filmé dans son intégralité. Bon, bah voilà, comme vous voyez, match nul à Toulouse, les Niçois pataugent un peu dans la semoule là en ce moment. On s'applique, mais ça ne rompt pas. On est à 17 points pour le moment. Mais on patauge un petit peu là actuellement. Après, bon, le match à Toulouse, c'est jamais des matchs évidents. Maintenant, j'espère que Reims. De toute façon, ça, c'est une fin de stream là. Donc ça viendra en complément de l'épisode entier avec le match contre Lens. Et le match contre Toulouse. Oui, je sais, merci le portable. Ah, bon, après, il y a des périodes comme ça où on prend moins, on est moins en réussite. Que d'autres, mais bon. On n'a pas perdu, c'est déjà ça. Meilleure défense du championnat. Et c'est toujours des bons points de prix. Surtout à Toulouse et puis contre Lens. Alors là, du coup, pour terminer au final, le stream d'aujourd'hui, on va voir la dernière journée, enfin. Les derniers résultats, donc il y a un Reims-Lorient. Si Reims l'emporte, Reims et ben si Reims l'emporte, ben, en principe, à moins que Reims batte Lorient 4-0, mais en principe je resterai troisième. Le leader est strasbourgeois, j'aurais jamais pensé. Tom Lacou. Reims-Lorient. Vingt-deux heures quarante-cinq. Donc ça, on l'avait vu. Qu'est-ce que nous ont fait les Rémois? Ça serait trop bien si Lorient gagnait à Reims, ça m'arrangerait. Là, je passe parce que j'ai déjà vu les buts. Toulouse-Nice. On va revoir les buts. Là, il pouvait rien faire, Timo Horn. Il a quand même sauvé un point. Là, le but d'Alassane Pléa, l'égalisation, elle est magnifique. Reims-Lorient. Orienté. Ah, c'est bon ça! Lorient qui va peut-être battre Reims. Oui, Lorient qui bat Reims. Impeccable. Et Angers 3. Oh,
la passe vers... Oh, magnifique. Magnifique en jeu 20. Et de 3, 3-0 pour Angers, qui se donne de l'air. Bon, bah je prends ce classement. Et sinon, c'est quand qu'ils travaillent les phases offensives? Ah voilà. Ah oui, bah la semaine. Tactique, 20 septembre. Ah bah voilà, jeu offensif mercredi. Bon bah c'est pas trop mal. Dans mon malheur. Bon, c'est serré en haut. Toulouse-Nice, un partout. Je m'attendais à ce que ce soit un match compliqué à Toulouse. Timo Horn, la parade encore qui m'a sorti quoi. Victoire contre Ajaccio, victoire à Lille, match nul contre Lens, match nul à Toulouse. Le mois qui vient, il y a Reims, Brest. Oh putain, Nice-Reims. Ah oui, c'est vrai. Rennes et le PSG. Oh putain. Rennes-Paris, là, ça va être des bons tests. Nous avons fait match nul, mais nous sommes créés de meilleures occasions. Mais oui, mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça. Nous avons réussi un grand nombre de passes, 436. Nous avons les joueurs de Nice. Ah bah évidemment, Toulouse a marqué dans le premier quart d'heure. Réunion avec le staff. La progression de Mario Lemina a été freinée. Et... J'ai remarqué avec plaisir que vous avez le soutien de la grande majorité de l'effectif actuellement, principalement avant des bons rapports que vous entretenez avec eux. Ah putain, négatif, qu'est-ce qui lui a pas plu à Jean-Clair là?
Attends, par contre, je vais essayer. Il faut que je fasse une save avant. Bon, en tout cas, bah voilà, bilan du jour, deux matchs nuls. Bon, c'était Lens-Toulouse, c'était pas non plus Angers et Auxerre. Mais bon, faut espérer que la prochaine fois. Ah, la prochaine fois, ça va être un gros match, parce que c'est Nice-Reims. Alors, je veux juste faire un test. Ah, je peux parler à Miller, c'est ça que je voulais voir. Ouais, ok. Ouais, bah j'ai bien fait, je recharge. Parce que ça, pour te flinguer les morales d'une équipe, là c'est que je veux tester, ouais, j'essaie d'être positif. En colère, ils sont sérieux, furieux. Ok, ouais. Nous avons eu des débuts mitigés, mais il nous reste. J'adore, c'est vous qui allez causer des problèmes et le coach, ça me va. Non, non, non. Non, Pierre, je vais pas en faire de causerie. Ah, bah voilà. On le regrettera le reste de notre vie si on ne va pas au bout. Allez, les gars, le titre est à portée de main. Ah, bah là, voilà ça. Atmosphère au sein de. Extrêmement bon, extrêmement bon. Non, allez chercher le titre. Bologna renvoyé par Metz. Bologna renvoyé par mes.
Et rapport sur le stade de Reims. Et ben le rapport sur le stade de Reims, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. En résumé, les dirigeants sont très contents de votre qualité de leadership à la tête de l'équipe. Transfert. Ouais, déjà c'est mieux. Merde, j'ai... Il est où leur attaquant là? Il n'a pas joué. Bon ben voilà mes chers viewers. C'était un complément de live. Donc moi ce que je vais faire c'est que je me connecterai vers 17h. Pour le début de ma compétition à FIFA, je vais faire une petite pause, faire 2-3 trucs. Comme ça, de 17h à 20h, je ferai du FIFA. Et après, on enchaîne à 21h avec Monsieur Tenko pour Crusader Kings 3. Stade de Reims. Et on enchaînera du coup avec le rapport sur l'équipe du Stade de Reims. Bon, bah aujourd'hui, pas trop mauvais bilan, les dirigeants sont contents, j'aurais préféré quand même gagner contre Lens, mais bon. L'équipe est toujours invaincue pour le moment, je touche du bois. La prochaine, prochaine étape, c'est la réception des Lensois, des Rémois, pardon. Et puis, on va essayer de... voilà, là, cette fois, ça va être... Ah, il a perdu en valeur, la board. Et Balotelli, il a dû prendre. Non. Par contre, Ponceau... Yvan Masson, il progresse. Un but partout.
Donc, prochaine échéance. Donc, le match contre Reims à la maison. Donc, du coup, je vais faire mes sauvegardes. Je vais vous souhaiter du coup un très bon samedi. Je vous dis donc à tout à l'heure pour ceux qui seront là. Donc, FIFA 23, le début du Super World 120 à partir de 17h jusqu'à 20h. Je vais me reposer un petit peu les yeux en attendant. Donc, merci à tous ceux qui sont venus participer à ce live. Une dédicace à ma petite Vlex et à Nolito. Merci Lolo Kamakela aussi pour ton passage tout à l'heure. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Donc, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à tout à l'heure sur la chaîne de Pink Fold pour le début de FIFA 23. Enfin, le début. J'ai déjà joué, mais le début de la compétition, du moins. Merci à toutes, merci à tous. N'oubliez pas ce soir le live avec Monsieur Tenko sur Crusader Kings 3 à partir de 21h. Et sinon, on se retrouve aussi demain pour un nouveau live, toujours dans la joie et la bonne humeur. Ciao, ciao tout le monde, allez logim, bon après-midi à tous et à très vite sur la chaîne de Pinkfold. Ciao, ciao!